Nous souhaitons entraîner les commerçants dans ce sillage et transformer les nouvelles contraintes environnementales en opportunités de développement. Ainsi, à partir de 2010, les lampes à incandescence, qui représentent actuellement 80% du marché, ne seront plus produites. Tout d'abord, établir un diagnostic complet de l'éclairage en place. Dans un second temps, une fois que ce diagnostic est complètement finalisé, alors d'abord pour nous c'est une mission de sensibilisation auprès de nos ressortissants. C'est un devoir pour une chambre de commerce, en particulier sur l'aspect technique, puisque on l'a entendu tout à l'heure, 80% des lampes vont devoir disparaître. Donc il faut bien que ces commerçants, en particulier ceux qui envisagent dans un bref délai de transformer leur magasin, n'adoptent pas la mauvaise solution qui serait extrêmement pénalisante pour eux. C'est bien notre mission d'informer les commerçants, nos ressortissants, de ces évolutions techniques. Et moi j'étais agréablement surpris ce soir de voir le nombre de questions. Je m'attendais à que ce soit une démonstration très technique, avec une assistance peu sensible, et on se rend compte que les commerçants ont vraiment pris ce problème à bras-le-corps, en sachant, on l'a dit aussi, que l'énergie va énormément augmenter. Alors, on a des ampoules qui s'adaptent dessus, effectivement. Non, pas forcément. On peut, à moindre coût, faire quelques modifications. Je pense que cette opération est un tel succès qu'il faut absolument la renouveler et la réitérer dans toutes les CCI de France et de Navarre. Et j'espère bien évidemment que nos équipes pourront être le relais de l'information. Tout ce que je voudrais encore faire, c'est simplement remercier l'ensemble de nos équipes qui se sont donné beaucoup de mal pour la réussite de ces opérations. Merci à elles. Vous pouvez nous dire quels bénéfices vous avez tirés de cette installation? Je pense que j'ai tiré un certain bénéfice puisque j'ai pris une entreprise qui est au forfait et je dois être loin d'un million et demi de chiffre d'affaires. L'intérêt sur l'éclairage, parce que l'avantage commercial est indéniable. Aujourd'hui, notamment dans mon magasin, ce que l'on peut voir, c'est ce qu'on ne peut pas voir, c'est ce manque d'éclairage. Et d'où l'importance sur les produits, effectivement, sur les produits, mais aussi sur les allées de circulation, et donner à cet effet, donner à ces magasins un effet justement différenciant entre le produit et cette convivialité qu'on pourrait avoir dans les allées de circulation, pour que cette lumière ne soit pas d'une part agressive, et puis qu'elle conduise les clients vers où ils veulent aller, vers les produits notamment. Je pense que ça peut véritablement redynamiser le commerce dans le magasin. Bah, c'est très bien de sensibiliser les petits commerces de proximité sur justement le fait que l'éclairage a son importance par rapport à la mise en valeur des produits. Et par rapport à Créad, quelle est la part de l'éclairage dans votre savoir-faire? Nous, c'est sensibiliser les jeunes qui vont être les premiers à intervenir auprès aussi des commerçants pour pouvoir mettre en valeur leur lieu, que l'éclairage fait partie aussi complète de l'environnement dans lequel ils vont aussi mettre en valeur l'ensemble du produit, du commerce. Est-ce que vous pensez qu'il s'agira d'une place prépondérante? Oui, de plus en plus, c'est prépondérant. L'éclairage a vraiment une mise en valeur par rapport à ce que va faire le concepteur et par rapport au produit du commerçant.